C'est sans doute ce jour-là que l'histoire a vraiment commencé. Ce 3 juin 1974, sur le terrain bosselé de Saint-Germain. Le PSG est tout jeune, 3 ans à peine, et ne compte que 3 pros dans son effectif. Pourtant, il va jouer son destin dans moins de 24 heures. You play where you want. So? So L'entraîneur, c'est juste Fontaine, le buteur historique de l'équipe de France. Autour de lui flotte comme un parfum de légende. Le problème est simple. Si on monte, c'est le Parc des Princes avec 45 000 personnes. Et si on ne monte pas, ben Saint-Germain avec 1500 personnes. Alors c'est à vous de voir le problème. Si vous voulez jouer l'année prochaine en seconde division, vous me le dites de suite, je ne vous mets pas dans l'équipe. Et si vous voulez jouer en première division, ben, vous le montrez sur le terrain, c'est tout. Demain, le PSG rencontre Valenciennes en match de barrage pour une place en première division. À l'aller, Valenciennes l'a emporté 2-1. Ce soir, eh bien, au Parc des Princes, il y a environ 7000 spectateurs. C'est peu, on attendait beaucoup plus. Il faut dire que les deux formations jouent leur saison. Sur le banc, le nouveau président du Paris Saint-Germain, Daniel Echter, 32 ans, couturier à succès. Juste tendu, moi je suis tendu, on est tous tendus, attendez. Vous rendez compte, on est un petit club amateur de 3e division, on vient de monter en 2e division, et on joue le match de barrage pour passer en 1ère division. Et tout ça en un an, ça va vite. Bon, si on veut gagner, les gars, c'est pas en jouant comme ça. Mais attaquez-moi ce ballon un peu plus vite et nous, quand on a la balle, jouons un peu plus vite. On joue comme des grands-pères, là. Il faut simplement accélérer le rythme, les gars, et montrer qu'on veut gagner ce match. J'entends encore Justo dire « merde !» de cette manière un peu. Et là, on a pris un coup au foie. Je me souviens, on est sur le banc avec Daniel. Et je lui dis « si on n'égalise pas dans les 5 minutes, on est mort. » Et là, à partir de ce moment-là, bon, on sent que le vent tourne. Il y avait un élan, on avait des occasions, etc. De même que de l'autre côté, ils ont pris un coup sur le casque. Paris Saint-Germain en première division, c'est fait. On a beaucoup tremblé hier soir au Parc des Princes. Au terme d'un match à suspense, l'équipe de Just Fontaine, victorieuse 4-2, a pris sa place pour la première division. Paris a décroché la lune. Submergé par l'émotion, Justo s'écroule, victime d'un malaise. Le plus dur a été fait, mais maintenant ça va être encore plus dur parce que le public de Paris attend de nous que nous fassions une grande équipe et on essaiera de leur donner des émotions, mais pas autant que ce soit, parce que j'ai failli passer. Le milieu du football, on était étrangers au milieu du football. Il y avait à l'époque Bernard Brochand, qui est aujourd'hui maire de Cannes. Il y avait Francis Borrelli qui m'a succédé, il y avait Charles Tallard qui est producteur. Et puis il y a Jean-Paul Belmondo qui nous a rejoint, qui lui aussi avait envie de voir du football. On vendait rien, on vendait l'idée de retrouver un club à Paris. On vendait notre passion. Et vous savez, quand vous vendez votre passion, vous la vendez bien. Le Paris Saint-Germain New Look est bien décidé à faire une entrée tonitruante en première division. 6 arrivées et pas des moindres. Mustapha Dalleb, international algérien, 22 ans, poste ailier gauche.
40 000 spectateurs au Parc des Princes pour voir le Paris Saint-Germain, l'équipe en forme. Voici Dalep qui centre vers La Poste. La Poste va donner la balle à rentrer au même Dalep. Voici la passe de La Poste. Dalep qui contrôle tranquillement et lobe le gardien de but, Lamy, trop avancé. Paris Saint-Germain 4, Laval 0. Jacky Lamy, le gardien de but de Laval, a décidément passé une mauvaise après-midi au Parc des Princes. Avec le Paris Saint-Germain, on était bon, on était mauvais. On prenait des valises, on en marquait, mais il y avait une âme. Allez, allez, j'ai une poste. Allez, Louis, ne reviens pas, hein. Encore, encore. Allez, et oui, merde. Pour André et Pipi. Oh, télévision. Il y a la Martinique, il y a la Martiniquaise là-bas. La réussite d'Esther, elle a fait plutôt Elle a surtout fait beaucoup de jaloux. Elle a fait beaucoup de jaloux, et puis en plus... Ce mec-là qui arrive au premier truc, il se retrouve en première division. Oui, ça plaît pas, quoi. Vous avez affaire quand même à un beau milieu d'hypocrites, quoi. Et vous allez avoir en face de vous des gens qui vont vous faire des grands sourires, et puis qui, dès que vous allez avoir le dos tourné, vont vous poignarder dans le dos, quoi. Dans la difficile affaire du Paris Saint-Germain, on en saura peut-être davantage au début de la semaine prochaine, lundi ou mardi, lorsque Daniel Echter, le président du club, sera de retour à Paris. L'affaire, c'est une double billetterie. Pour disposer d'argent liquide pour les primes des joueurs, Daniel Echter a vendu des milliers de tickets au noir. La pratique est courante dans le foot français, mais illégale. Début janvier 1978, le groupement des clubs professionnels prononce la radiation à vie du président parisien. J'ai qu'une seule chose à dire. Ce verdict est un véritable scandale. Une mascarade de justice. Deux jours plus tard, Echter le banni fait ses adieux au public du parc. Francis Borrelli, publicitaire, nouveau président du PSG. Paris est une grande ville, donc elle a le droit à une grande équipe. Et depuis quelque temps, nous tendons tous à avoir cette grande équipe. Et c'est vrai qu'on nous accorde le crédit de croire que Paris Saint-Germain, maintenant, se situe dans les grandes équipes françaises. Le foot, ou la passion d'une vie. Francis Borrelli grandit en Tunisie, où il joue dans l'équipe de la Patriote, en première division. Arrivé à Paris à 21 ans, il fait une saison avec la réserve du Red Star. Francis, c'était un président qui adorait le foot, qui était un passionné de foot, et qui aurait aimé faire une carrière professionnelle, qui aurait aimé faire du foot de haut, plus haut niveau. Ça, on le sentait en lui, quoi. Cet amour est resté et quelques années plus tard, être en mesure de diriger un club, je pense lui a redonné a ravivé cette flamme qu'il avait toujours eue en lui. Donc qui forcément, quand on connaît le personnage, elle est bien au-delà du rôle, on va dire, traditionnel d'un président de club. Bonjour.
Il est 8h moins 4, je crois, donc dans 4 minutes, coup d'envoi de cette 65e finale de la Coupe de France. C'est dangereux, Rocheteau derrière, attention à Toko, il y est, but de la bataille, Toko. Là non. Beaucoup de vert, beaucoup de blanc, finalement Nogues et Platini. Ouais, but de Michel Platini. But de Michel Platini, égalisation pour Saint-Étienne. 2 fois 15, un partout. Balle au centre. Ça va être très très dur, je crois, pour les Parisiens. Francis Bourelli. Très tendu. Ah, un petit sourire quand ouais. même. Léger, ouais. léger. Batisson, Larios, Zanon. Cherche la faille. Et là, c'est la voici, la faille pour Platini et but. De la soirée. Corner attiré par Souriac, beaucoup de blanc, beaucoup de vert, tête depuis l'orgé, ça passe encore à côté. Les verts ont maintenant l'affaire en main et sauf accident, ils devraient remporter leur 7e Coupe de France. 30 secondes. Michel Ngom, il a 3 Stéphanois devant lui, s'il en passe un, il y en aura encore 2 ensuite, alors ça va être très difficile, et voilà, c'est préférable de jouer avec Souriac en soutien, mais qui va s'enfermer là-bas, Souriac, à Rocheteau, et but, égalisation de Rocheteau, égalisation de Dominique Rocheteau, oh là là, extraordinaire, alors que... Oui, on jouait, le temps réglementaire était terminé, c'est important, depuis 15 secondes, et le président Borrelli enjambe les grilles. Il court sur le terrain, il va se mettre à genoux, il embrasse la pelouse. La pelouse, c'est grandiose. Francis est déchaîné, ce sont maintenant les pénaltys. C'est fabuleux. Chapeau aux 22 joueurs qui nous ont vraiment permis de passer une soirée exceptionnelle. On revient loin, quoi. Le match est fini pratiquement, on égalise. Tant que pour nous, c'est fabuleux. D'un coup, tout a changé, tout a été renversé. Et on se rend compte que le ballon est au fond, que papa a fait le fou sur la pelouse et qu'il y a 45 000 personnes qui sont en délire dans le stade. Ça a été un vrai coup du destin, peut-être un miracle, certains diront. Zanon. Dominique Battenet. Dans le rond central, Francis Borrelli prie. Et à chaque fois qu'un joueur parisien s'élance, on a l'impression que c'est le président qui tire. Lourde responsabilité pour Christian Lepel. Et arrêt de Baratelli ! Oh là là, arrêt de Baratelli ! C'est-à-dire que si Jean-Marc Pilorger réussit le pénalty, c'est gagné pour le PSG. Pilorger, ça y est, le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. C'est terminé, victoire du PSG. Francis Borrelli qui est à ses côtés, ça y est. On ne voit pas les voies les plus faciles, mais on y arrive comme ça. Encore une fois, peut-être parce que le chien nous aide, et ça a même été bien le cas dans la Coupe. Pour se garantir les faveurs du ciel, Francis le Magnifique a un secret. Un secret qu'il porte dans une sacoche de cuir noir qui ne quitte jamais son poignet, sur le terrain comme à la ville. Il avait sa petite pochette. Tout le monde voulait savoir ce qu'il y avait dans sa pochette. Et bon, moi, je ne l'ai jamais demandé, mais il avait toujours sa petite sacoche, sa petite pochette. Ouais. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa sacoche. Non, je n'ai jamais su. Dans ce petit sac, je me suis laissé dire qu'il y avait un objet tout à fait particulier et que vous appelez le chimout. Pourriez-vous nous montrer votre chimout? Alors, voilà. Le chimout du président Borrelli. On ne le montre pas, il est là-dedans. Oui. Ça ne se montre parce que... Non mais, je peux vous montrer à la caméra, oui, qu'il y a un tout petit rien. Non mais,
pour en avoir discuté justement en famille, on pensait que ça pouvait sans doute prendre la forme d'une petite pochette à l'intérieur de laquelle peut-être se trouvait une terre sacrée ou d'autres éléments de la terre originelle d'où vient papa. C'est un pouvoir un petit peu, si vous voulez, magique. Il y a un côté mystique qui intervient. Et c'est une espèce de talisman, si vous voulez. Oui, oui. Mais qu'il a la propriété, non pas de faire ou de porter le mal sur ceux qui seraient vos adversaires ou autres de ce type, mais au contraire d'être un paratonnerre contre le mal. Contre le malheur, contre un mauvais sort. Oui. Autrement dit, vous êtes tout à fait épargné, abrité du malheur. Si on veut vous voler un trésor, il suffit de voler votre petit... Le mot n'est pas assez fort, c'est un véritable trésor par son côté magique, mystique, et mystérieux, bien sûr, puisque... J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense Sur le plateau de l'émission, Enrico Macias, fan de la première heure, chante Francis Borelli, ce mendiant de l'amour qui fait gagner le PSG. Je ne sais pas comprendre, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit pauvre milliardaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin. Francis est magnifique et Paris est magique. La vie continuera. Et le bonheur sera plus grand. Voilà. Allez, c'est un petit peu. Okay. Ça, c'est dur à faire. Et c'est ça. Plus vous, c'est que vous voyez, on ne veut pas faire de la comédie. Si c'est du cœur, chaque fois que je le vois, je l'embrasse et je suis sincère. C'est mon fils. Il est Francis Borelli petit. Il deviendra Francis Borelli. Je suis resté petit. Quand il sera grand. Vous allez voir. C'est marrant. J'étais comme lui. Il me disait souvent, en t'observant, en te voyant jouer, j'ai l'impression de me revoir quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé jeune comme toi, batailleur comme toi, compétiteur comme toi, bagarreur comme toi, parce que sur le terrain, c'était un peu mon tempérament. Fabriqué en banlieue. Luis Fernandez a grandi dans la cité des Minguettes, près de Lyon. Et quand une équipe de télé le filme par hasard à 14 ans, il a déjà la tchatche. Un avançant doit procéder là. Une bonne frappe, un bon marquage et un bon élancement. Ouais. Partir toujours dans le trou. Une vitesse. Ouais, faut courir très vite. Fallait que j'en chie, comme on dit, mais c'est pas pour cela que je me suis découragé. J'ai toujours eu cette volonté et c'est pour cela que je crois que la force des champions, la force des gens qui veulent réussir dans la vie, il faut qu'ils en bavent et pour réussir, il faut en baver, il faut en vouloir. Sur le terrain, c'était un exemple. Il était tout le temps à 200%. Il était aux quatre coins du terrain à aboyer après ses partenaires pour les remettre d'aplomb quand ça se passait pas bien et pour continuer à aller de l'avant quand ça se passait bien. Fernandez, le guerrier, devient l'idole du parc. Mais en dehors de la capitale, sa réputation est tout autre. On le traite de brut, de voyou, de casseur. Ça m'a jamais venu à l'idée de rentrer sur un terrain pour me dire je vais casser un tel ou tel joueur. C'est pas dans mes intentions, je respecte tous les joueurs qui jouent dans le football parce que j'aime ce métier-là et pour moi c'est un plaisir de jouer au football. Et ça ne m'avait pas l'idée d'essayer de briser une carrière d'un joueur parce que je sais les conséquences que ça a. Tu sais, on dit tiens, c'est un joueur dur, c'est un joueur... Non mais à un moment donné, c'est pas une question d'être dur, c'est une question de s'imposer, une question d'avoir un certain caractère. En septembre 1985, Gérard Houllier devient entraîneur du PSG. Moi, si je dis numéro 1,
1, bah vous allez avoir des gars qui sont sur leur base. Si je dis numéro 2, vous allez avoir une attaque un peu plus facile. Et numéro 3, c'est une contre-attaque. Ok ? Houillet veut jouer le titre, mais il a un problème. Luis Fernandez qui n'en fait qu'à sa tête. Il y a eu un petit match entre nous, un match amical. Au cours de ce match, Luis avait été imbuvable. Il avait indisposé l'arbitre, l'adversaire, ses partenaires, les spectateurs, moi. Il râlait toujours, il n'était jamais content, il gueulait. Bon. Et donc je me suis dit, je n'ai pas vu une saison comme ça. Aux entraînements, je ne supportais pas de perdre. Je ne voulais pas perdre. C'est-à-dire que c'était toujours assez tendu. C'est-à-dire que moi, les entraînements, c'était une compétition. Je devais gagner mes jeux, je devais gagner mes matchs. Si je perdais, j'étais capable de m'énerver pour un rien. Donc je l'ai pris dans ma chambre et pendant 2 heures ou 3 heures, en tête à tête, en disant ce que j'attendais de lui. Et j'attendais d'autant plus qu'il allait être mon capitaine. Donc je pense que ça a transformé peut-être son attitude. Et il a fait 36 matchs sans prendre un carton après. C'est quand même, quand on connaît le joueur et le personnage, presque une gageure. Et quand Gérard m'a donné le brassard, bon, j'ai essayé d'être à la fois le plus exemplaire possible, même si j'étais un emmerdeur de première, parce que je me considérais comme un emmerdeur. Pour un entraîneur, mais j'étais un compétiteur. C'est-à-dire qu'il savait, il pouvait compter sur moi. Montée de Luis Fernandez dans les pieds de Deboté, avantage à Fernandez. Et les Parisiens sont à 3 contre 3 ou 4. Fernandez continue de Rocheteau qui va frapper. Rocheteau qui redonne à Fernandez et but. C'est formidable. Quel but magnifique. Combinaison magique entre Fernandez et Rocheteau. Il n'y a pas que Fernandez. Si le PSG joue le titre, c'est aussi grâce à Magic Suzik. Il a bien éliminé Adamcor là. Il est en place pour frapper, voilà. Oh, quel but! Oh, extraordinaire but de Safet Suzik. Safet Suzik, débarqué de Yougoslavie, il a déjà fait gagner à Paris sa deuxième Coupe de France en 1983. Papa a souvent dit que Safet n'était pas un footballeur, c'était un artiste qui joue au football. Alors lui c'était un vrai crack, capable de faire des trucs incroyables. Si j'avais une liste de 5 joueurs, il serait premier ou deuxième. Un incomparable maître à jouer, capable de prendre une équipe, mener 2-0 et la faire gagner 3-2. Quoi. Avec ce corner tiré par Suzik. Pour la tête de Jadol et reprise la tête de Fonseca et but ! But de Marcel ! But de Marcel à quelques secondes de la fin, à 2 ou 3 minutes de la fin. Et Paris Saint-Germain est tout près du titre maintenant. Gérard Houillet qui embrasse Luis Fernandez comme si c'était fait. Et qui pleure, Michel. Gérard Houillet qui pleure au milieu de ses joueurs. La victoire et les larmes. 16 ans après sa naissance, le PSG décroche le titre suprême. Paris est champion de France. Thank you.
Il aimait le beau, il aimait être élégant, il aimait voilà, faire le beau geste technique. Mais seulement, il aimait un peu trop jouer devant la tribune présidentielle et ça nous énervait, quoi. La tribune présidentielle, c'est là où il y a le gratin, en fait. Donc, on parlait de spectacle, de show tout à l'heure. Bon, David, il aimait ça, quoi. Il aimait ça, il avait besoin de ça aussi. Avec David, il y avait toujours quelque chose à voir. Un amorti de poitrine, un crochet. C'est un garçon qui avait des qualités naturelles extraordinaires. Qui avait son physique, qui était un beau gosse. Donc ça a été, c'était David, quoi. Et il portait haut. Et Paris était fait pour lui, quoi. Il y avait plusieurs joueurs qui faisaient soulever le parc, mais David, voilà, il... Encore plus que les autres. Des fois, vous recevez le ballon, il y a tout qui s'arrête autour de vous. C'est-à-dire que vous n'entendez plus le public, vous êtes comme dans une bulle. Et en fait, l'enchaînement de l'action se fait d'une manière tellement belle que vous dites, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui me drive. Et puis, où vous marquez, où vous centrez, où il y a quelque chose de positif derrière. Puis, boum, il y a une coupure et tout revient. Le spectacle d'abord. Canal+ a racheté le PSG et dès le premier match, les paillettes envahissent le Parc des Princes. Chef d'orchestre de cette révolution showbiz, Michel Denisot, l'ami des stars. La clé de la réussite d'un club, c'est que les joueurs qui ont du talent expriment leur talent au maximum. Donc il faut les mettre comme des artistes, ce sont des artistes. Il faut que l'acteur soit, au moment où il y a le clap, il faut qu'il soit dans la meilleure condition possible. On est là pour qu'ils nous donnent le meilleur, donc il faut les aider à donner le meilleur. Mister George, c'est... Bon, j'en parle, j'ai des frissons. J'étais ravi qu'il signe dans notre équipe quand il est arrivé. Parce que moi, je l'avais marqué plusieurs fois, c'était l'enfer, l'enfer. Il avait tout, la technique, le... il était élégant, il avait la puissance, il marquait des buts fantastiques. C'est un instinct qu'il avait, voilà. Il était capable de faire un geste technique, vous pouvez pas deviner. J'ai rarement eu cette sensation d'être dans une équipe et se dire que avec un tel joueur, il pouvait rien nous arriver. King of King, Lord of Lord, come go to the child of Judah. I'll say I see the first. Peace. Ricky, hey, don't show my body, man, because my baby gonna get angry, you know what I'm saying? But this guy's gonna get crazy, they're gonna go wild when they see me naked, you know what I'm saying? What's it not? Souvent, après les déplacements qu'on faisait avec l'équipe, on revenait souvent avec des plateaux repas et la plupart des plateaux repas n'étaient pas mangés. Donc lui prenait tous les plateaux repas, allait à Saint-Germain-en-Laye, remettait ça aux gens qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas de quoi manger, qui vivaient dehors, faisait ce qu'il avait à faire, quoi. Et je pense qu'il était en mission.
après, oui, où on s'est réunis dans ma chambre, je me souviens, à l'hôtel à Saclay, et où, comme je vous dis, on a décidé de se qualifier. Quoi. On sentait qu'il y avait quelque chose de palpable. C'était pas sur le résultat final, sur l'envie. Il y avait vraiment une envie de dire, non, match aller, ça va pas. Il va falloir qu'on mette les pendules à l'heure. Il va falloir qu'on change tout ça. On avait tous la bave aux lèvres, quoi, en disant on va les manger, quoi. On va les taper, on va tout faire pour passer. Et pour ça, il va falloir qu'on soit tous ensemble, de la première à la dernière minute. Comme on dit, on vole, quoi. On se sent bien, on se sent fort, on se sent costaud. C'est Georges qui fait une passe un peu lobée sur Daniel. Il me voit, je vois qu'il me voit, et moi je suis positionné juste pour réceptionner la balle. Je ne réfléchis même pas, parce que si je ne tente pas à ce moment-là un geste comme ça, ben c'est que je ne suis pas un attaquant. Valdo. Wea. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo, c'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Le fait de marquer ce but, en fait, ça a redonné confiance au public. Ils se sont dit, eux aussi, à leur manière, ils ont dit, on va y arriver. Ouais, avec Ginola qui est là. Fixe. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Fin de frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filho Valdo. Là, 3-0, on s'est vu qualifié. Et le fait de se voir qualifié, il y a de la tension qui retombe, de la concentration. Pour nous, ça y est, il n'y a plus d'équipe en face. On a peut-être oublié qu'on jouait contre le Real de Madrid et que c'était une équipe qui pouvait à tout moment revenir et marquer un but. Pour le Real. Je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un pénalty contre nous. Quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête et un but. C'est pas possible. Regardez, c'est un ballon très haut. Camboire qui va sauter. Et le bleu a sauté plus vite. Je me suis fait manger sur le coup. Et pourtant, je pensais être plus fort de la tête que lui. Et là, ça n'a pas été le cas. Moi, ce dont je me souviens, c'est le silence dans le stade. Là, on prend un gros coup sur la tête. C'est assez rare de ressentir ça, mais on a le sentiment que c'est fini, quoi. On a laissé passer notre chance. C'est l'ultime effort, quoi. Voilà. Là, tu te dis, c'est maintenant, il faut le faire. Je me sens fautif sur le but qu'on a encaissé. Et là, je me dis qu'il faut que j'aille réparer mon erreur.
faut à tout prix que j'aille sauver mes copains. L'envie de se racheter. Avec un coup franc que va tirer Vallo. Ouéa est devant le but. Bamboiré aussi. Bamboiré aussi, il est monté tête. Yeah. Bamboiré. C'est quelque chose de toute façon que je n'ai plus jamais ressenti après. C'est un moment unique, c'est un moment rare, c'est d'une force inouïe. Moi, ça m'a transporté, ça m'a... De toute façon, c'est indescriptible. On vit un rêve, on vit quelque chose... On est ailleurs, on ne se sent plus. Les 200 hooligans qui attaquent les CRS ce jour-là forment la frange la plus radicale de la tribune Boulogne. Tendance skin, facho, raciste. Un fight club sauvage au relent d'extrême droite. J'ai joué mon premier match, c'était pour le tournoi de Paris. On s'est chauffé du côté Boulogne. Et ils m'ont hué et insulté comme c'est pas possible. Au début, ouais, c'était pas agréable. Et puis quand il y avait d'autres blacks qui étaient en face et qui avaient des cris de singe, qui étaient sifflés, bon, moi je le prenais pour moi aussi. Ça allait à un point tel que les Noirs, les Arabes ne pouvaient pas accéder à cette tribune. Vous alliez acheter un billet pour venir au match, on vous déconseillait. On ne vous vendait pas le billet pour le COP. Donc c'est qu'il y avait une ségrégation. Ça, c'est pas normal, quoi. Pourquoi il me tape? Moi, je pense que quelqu'un me crache dessus et me frappe. C'est des barbares, hein. Il n'y avait aucune raison. Aucune raison. Vous demandez aux garçons, aucune raison. Hein. Moi, je pense que de toutes les façons, des gens comme ça n'ont pas à avoir accès à des stades. Le problème, c'est qu'en France, on prend pas les décisions qu'il faut. Même si on sait qui sont les casseurs, on ne peut pas leur interdire l'entrée, la loi ne nous le permet pas. Donc dans ce cadre-là, notre marge de manœuvre est effectivement encore limitée. Si le ballon est là,
tu peux faire ça. C'est pas interdit. Tu peux venir ici. David, c'est pareil. Tu peux venir aussi. Les gars, ce que je vous demande, n'hésitez pas à mettre tout de suite, sans élan, vous mettez devant. Georges et Patrick, quand vous repartez, jouez dans les pieds, les gars. Ne venez pas à Valdo tout de suite sur les attaquants, parce que sinon, vous êtes, on est 5, 6. Je veux bien jouer avec, avec les attaquants, mais si vous venez sur eux, on ne peut plus. Allez. On n'a pas joué, là. Hein. On n'y est pas. Allez, David. Allez, viens là. Allez, gars, ensemble. Allez, allez. Tous ensemble, là. Allez. On ne perd pas ce match. Valdo, OK? On va aller voir maintenant. OK? C'est bon là. Allez, pour le pêcher, pipi. Le retour. Le retour. Ouais, le retour, je l'attendais avec impatience. Je l'ai rêvé, je l'ai pensé. Revenir dans mon club, c'était une obsession. Djorkaeff, Denis Valdés est déjà parti vers le but. Et il y a encore Loco tout là-bas. Les bonnes interventions du haut, elle n'est pas suffisante, Denis Valdés. Ballon piqué, c'est magique! Et le Paris Saint-Germain qui mène maintenant 5-0. Tous les attaquants ont marqué. On a fait des gros, gros matchs. Je suis persuadé que c'était une des meilleures équipes que Paris n'a jamais connues. Parce que, pas seulement par les individualités, mais par le groupe. Par cet état d'esprit qui habitait le camp des Lages ou le Parc des Princes. Entraîneur qui garde une certaine distance, il y en a d'autres qui ne la gardent pas. Moi, je fais partie de ceux, je préfère mieux être proche de mes joueurs, d'essayer de comprendre, d'essayer, par moment, parfois, c'est vrai que tu as envie de faire une petite partie de belote avec eux, tu as envie de jouer aux cartes avec eux. Un des problèmes, c'est que quand vous êtes entraîneur, que vous participez à tous les jeux, vous faites les taureaux, vous faites des petits ponts joueurs, vous chambrez, vous jouez aux cartes avec eux, vous chambrez aux cartes. Le jour où ça ne va pas, que l'équipe ne va pas bien, ou que vous prenez ou que l'entraîneur prenne la décision parce que d'un joueur qui ne va pas jouer, et que vous continuez à jouer aux cartes avec lui, ou au foot avec lui, que vous continuez à chambrer, moi le joueur, ben, ça monte, et ça fait des éclats. Voilà. Même des fois, c'était l'embrouille à l'entraînement parce qu'il jouait, et que ben, tant que son équipe n'avait pas gagné, l'entraînement ne se terminait pas, et souvent ça se terminait sur des quiproquos. Donc c'était pas très très agréable comme gestion. En 96, on avait 12 points d'avance à la trêve et on a flanché après. On a flanché parce que l'équipe n'était pas stable. Et ça, c'était purement lié à l'entraîneur, quoi, qui n'était pas stable. La force de Louis, c'était justement de faire groupe avec ses joueurs. Ben, tout seul, il s'est sorti du groupe. Il a commencé à nous gueuler dessus. Nous, on ne comprenait pas qu'il nous gueule dessus comme ça. Oh, Louis, calme-toi. Et là, c'est pas passé du tout, quoi. C'est pas passé du tout, et ça s'est entre guillemets retourné contre lui. Ce qui fait qu'à un moment donné, il avait tout le groupe contre lui. Et là, on est au mois de février. Moi, j'ai jamais changé d'entraîneur en cours de saison. Je pense que ça sert à rien et qu'il faut essayer de tenir le mieux l'affaire et de la gérer au mieux possible. Très loin devant, Evoro qui surveille Nouba, mais récupération, Djorkaeff qui évite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer, et le but de Youri Djorkaeff, et quel but!
finale, on est en finale. Olé, olé, on est en finale. On est en finale, on est en finale. Olé, olé, on est en finale. Olé, olé. Je joue pas une finale de Coupe d'Europe tous les matins. Et donc je cherchais quelqu'un pour dynamiser, catalyser, et non pas prendre la place de l'entraîneur, il n'en était pas question, mais d'apporter quelque chose au groupe. Et j'ai pensé à Yannick Noah. Il me dit, Yannick, est-ce que vous voulez venir donner un coup de main à l'équipe? Il y a des problèmes à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que ça vous dirait? Je dis ouais. Je dis ouais. Puis je le rappelle 10 minutes après, je dis ouais, bon... Je viens, d'accord, mais qu'est-ce que vous attendez de moi, quoi? D'un coup, je me dis, ouais, moi, c'était le fan, le mec excité, j'y vais. Il me dit, ouais, ouais, il y a des soucis, il y a des clans, il y a des problèmes de communication à l'intérieur du groupe, il y a la finale qui arrive, est-ce que vous pensez que vous... Je dis, bah, je sais pas si je vais vous aider, mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de vous aider. Comment Fernandez réagit? C'est vous qui lui apprenez? Oui, il réagit, il n'aime pas. Mais c'est normal. C'est normal. Tout entraîneur à qui on vient ajouter quelqu'un qui plus est quand c'est de l'envergure de Noah, considère que c'est un manque de confiance. J'ai pris ça comme quelque chose, on va te dire, de l'inacceptable, qu'on ne peut pas accepter. Qu'on ne peut pas accepter parce que... Mais, bien joué de la part de Michel Denisot. Moi, je lui ai tout à fait, le plus rapidement formulé, dit... Que Yannick qui vient, si c'est pour manger, c'est pour échanger, discuter avec les joueurs en dehors de mon travail, il n'y a pas de problème. Mais s'il intervient une seule fois, s'il rentre une seule fois, là, dans mes compétences tactiques, techniques, au niveau de la stratégie, au niveau de la préparation physique, à ce moment-là, je fais un bordel. Je leur dis qu'il faut qu'on soude le groupe. Et ça, il faut qu'on aille faire une fête. Mais sans dirigeant, sans entraîneur, sans balance. Voilà, on va entre joueurs, entre nous, on va rigoler, quoi. On va chanter, on va boire des coups, et on va partir. On a traversé avec un petit bateau, on était à Hendaye, on était à la Fontarabie, faire une petite fête tous ensemble. Et le fait d'être allé à Hendaye, d'avoir traversé, d'avoir partagé, d'avoir marché, à marcher dans la rue, à déconner, comme des gamins, quoi. En fait, on était comme des gamins. On avait besoin de ça aussi, besoin d'évacuer une certaine pression, d'évacuer le fait d'avoir perdu le championnat. Je sens vraiment qu'ils évacuent quelque chose, quoi. Et puis ça rigole, et puis au fur et à mesure, les gars, ils sont ensemble. Et puis à la fin, bon, je leur apprends, on apprend l'hymne qui est une chanson du Cameroun, simple à retenir, et tout d'un coup, on a cet hymne qui est resté, quoi. Yannick, c'est le grand frère, en fait. Le simple fait qu'il soit là, ça rassurait tout le monde. On s'est retrouvés sur la plage, en cercle, assis, là, bon, à rechercher le relâchement. On allait sur la plage, on se mettait tous allongés sur le sable, lui nous parlait de motivation, d'objectifs et tout ça. On est au bord de la mer, c'est magnifique. Et on ferme les yeux et puis on se projette au stade. C'est le jour de la finale, on est prêt. On est prêt à gagner. On y va pour gagner. C'est des petites montées d'adrénaline comme ça. On se prépare. Fais ça 3-4 fois, tu l'as déjà joué le match. Et puis si tu vas plus loin, tu peux déjà même faire des actions. Et tout ça sans jouer. C'est tellement puissant, tellement fort.
le vrai match. Trois ans après Marseille, Paris peut devenir le deuxième club français à remporter une Coupe d'Europe. Ça peut être pour Ngoti, la frappe et le but. But de Bruno Ngoti. Le PSG bat le Rapide de Vienne 1-0. Ça y est, enfin, Paris est sur le toit de l'Europe. Je suis arrivé au début de automne, hiver. Et c'était un an qui était très dur. L'hiver était très dur. Donc il y a eu plein de choses à s'adapter, la famille, tout ça, qui c'est très important pour les Brésiliens. Puis il a eu beaucoup de difficultés lors de sa première saison. Donc, et sans jamais se plaindre, sans jamais rien dire. Bon, je me souviens, il était assis à côté de moi au vestiaire, il avait froid, alors c'est moi qui lui donnais les tuyaux pour qu'il ait moins froid aux pieds, mettre du papier, mettre un sachet, enfin. Je me souviens de Rai arriver à Paris, Rai beaucoup souffrir, nous avoir beaucoup de doutes sur le joueur. On ne comprenait pas le décalage qu'il y avait entre être Rai, le capitaine de la sélection brésilienne, et Rai qu'on voyait à l'entraînement ou à match, quoi, voilà. Rai déçoit. Et les critiques fusent de partout. La presse spécialisée l'appelle Fantomas parce qu'il est invisible sur le terrain ou le train de marchandises pour sa lenteur. Ça, c'était le bon côté de ne pas encore parler français. je comprenais pas tout. Et je sentais parce que bon, mes amis, mes coéquipiers lisaient tout ça. Moi, j'essayais aussi, mais je ne comprenais pas tout, mais d'une façon ou d'une autre, ça arrivait à moi. C'est difficile quand tout le monde vous dit « Ah, il n'avance pas, qu'est-ce que c'est ce joueur ?» tout ça. Mais quand on connaît le ballon, on se dit « Le mec, il n'est pas capitaine du Brésil comme ça du jour au lendemain. On ne devient pas un phénomène au Brésil. Il y a pas de... C'est impossible de jouer dans l'équipe du Brésil si on est un tocard. » Thank you.
faudra un an au capitaine de l'équipe du Brésil pour s'acclimater. Et pour montrer à ses détracteurs qu'il est tout, sauf un tocard. Rai. L'âge de Rai. Il est passé. Rai, surface de réparation. Oh, le geste parfait. On est contre le capitaine de la sélection brésilienne qui arrive. Le gars, il vient. Il est comme n'importe quel footballeur. Bonjour, au revoir. Il se prend pas du tout au sérieux. Voilà, il a fait l'unanimité par son comportement. Les gens ont été très, très durs avec Rai. Et comme c'est un seigneur, il est passé au-dessus de tout ça. Bonjour à tous, l'invraisemblable boulette du Paris Saint-Germain. En faisant jouer Laurent Fournier à Bucarest alors qu'il était suspendu, le club transforme sa courte défaite 3-2 en défaite 3-0 sur tapis vert. Décision de l'UEFA, explication dans un instant. Vous voyez, ça c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça prouve que le PSG, quelque part, il n'est pas professionnel. C'est-à-dire, comment on peut faire jouer un joueur à un match de Coupe d'Europe qui n'a pas le droit de jouer? Il y a eu un oubli spectaculaire, et donc on s'est retrouvé dans un contexte à faire rire tout le monde, quoi, ce qui était normal. On nous annonce, c'est vrai, tout le monde était très très abattu, c'est très, le moral terrible. Et là, encore une fois, je crois que j'ai eu une réaction immédiate, positive. Je dis ça, il faut que ça devienne un défi pour nous. Il ne faut pas pleurer ce qui est arrivé, parce qu'on a encore un match. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est le match le plus important, à n'en pas douter, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain que le club de la capitale va jouer ce soir contre le Steaua de Bucarest. À partir du moment qu'on rentre sur le terrain, on voit l'ambiance du stade incroyable. Ça nous a motivés d'une façon que j'ai rarement vu dans le foot. C'était peut-être le match plus émotionnant, c'est pas le plus important, mais plus émotionnant pour moi parce que c'était une situation rare de vivre. Voilà, c'est parti pour ce match. Et le Paris Saint-Germain qui tout de suite va mettre la pression sur le but du Steaua. Gava bien fait, Rai qui met dans le paquet, Simonet, pénalty. Pénalty, faute sur Maurice et pénalty dès la deuxième minute de la partie. Ça commence bien. L'occasion pour Rai. Résister au but, voilà. Un but de rattrapé. Il en reste 2 minutes. Dès que je marque, je cours. Je me rappelle bien de prendre le ballon, de courir vers le milieu de terrain. La réaction de supporters. La seule chose que je pouvais dire, c'est que j'avais les châles de poule. Premier corner pour les Parisiens. Et corner tiré par Leonardo. Leonardo. Lettre, la pression, le but. Et but de Rai. Il est arrivé au bon moment. Et ça fait 2. Mais enfin, il faut encore en marquer 2. Mais je me dis que parti comme c'est, ça va venir. Là, 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 là.
but de Simone alors que l'on joue la 32e minute. Donc c'est bien fait. Leonardo dans le trou. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et 5e ou 4e minute. Et le voilà le 4e en première mi-temps s'il vous plaît. Très dangereux en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà le premier. Et bien vu Jean-Michel. Il l'a cherché et il l'a trouvé. C'était de la magie technique, de la magie collective et aussi l'ambiance. On avait l'impression que les supporters étaient sur le terrain, qu'ils étaient. De les sentir tellement proches, c'est très rare. Rai a tout gagné avec le PSG. Le championnat de France en 1994, la Coupe de France en 1995, la Coupe d'Europe en 1996, et devenu capitaine, il ajoute encore deux lignes à son palmarès. Ce jour-là, le PSG va perdre le match contre le Monaco de Fabien Barthez. Mais tout le monde s'en fout. L'important, c'est de célébrer Rai. C'était le moment le plus émouvant de ma vie professionnelle et aussi un des plus émouvants de ma vie personnelle. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas plus m'éteindre. Et je crois que le tout a fait qu'aujourd'hui je me sente un citoyen parisien et au même niveau un supporter parisien pour toujours aussi. Antes mesmo de começar o jogo, no aquecimento, já era como se já tivesse um clima de festa. Então, o Parque do Príncipe era
Um estádio completamente diferente de todos os outros. É... Parece que o estádio respira. Cage de Rogne, et c'est le but. Personne n'a touché le ballon. But de Ronaldinho. Ronaldinho avait transformé un pénalty à Lille. Là, il est face à Rogne pour le 2-0 et le doublé de Ronaldinho. Paris bat Marseille, 3-0. Fernandez, l'entraîneur de retour après 5 ans d'absence, fait le show. Mais c'est Ronaldinho que le parc acclame. Là, naquele momento, não pensei nada. Pensei muita coisa ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não tem nada. Pensa só na alegria de ter acabado o jogo, de uma vitória maravilhosa, de ter a possibilidade de fazer tanta gente feliz. Moi, je savais ce que j'avais entre les mains. Et quand tu sais que tu as un joyau comme ça, tu te dis voilà, cette année, s'il revient de la Coupe du Monde, disposé dans sa tête, tu es champion de France, avec 10, 15 points d'avance. Mais il y a trop de tentations à Paris. Oui, bon, pour un mec comme Ronaldinho, je veux dire, il y a 20 boîtes de nuit où il peut aller, alors que quand vous êtes à Auxerre, il y en a une. Et Giroud, il campe pratiquement devant l'entrée de la boîte de nuit, jusqu'à 3h du matin s'il faut. T'as 20 ans, t'es champion du monde. À 20 ans, tu t'imagines un peu comment t'es sollicité, comment on te demande, comment on souhaite t'avoir, comment... On ne pouvait plus contrôler. C'est incontrôlable et ingérable. Et quand... si... J'aurais pu y arriver. Il aurait fallu à ce moment-là que je reste avec lui du matin au soir. Louis s'est imaginé un petit peu comme le Pygmalion de ce jeune Brésilien. Et ce jeune Brésilien avait une personnalité qui n'était pas réductible à Louis. Les gens qui travaillent auprès de l'équipe me font part que certainement il y a une fille qui est peut-être dans l'hôtel ou peut-être dans les rentrées et qu'elle n'a rien à voir ou rien à faire là. Verrouiller dans un hôtel et ensuite dire il ne faut pas qu'ils voient leur femme, leur petite amie, leur je ne sais pas quoi, etc. Ça devient quasiment du vexatoire. Et mettre un garde-chiourme à l'étage pour vérifier que, ça tient quasiment du guet-apens. Ça ressemblait plutôt à une façon de piéger Ronaldinho pour lui dire « Ah bah tu vois, t'es en faute », que ça ne corresponde à quelque chose de réel sur le plan sportif. J'ai demandé un rappel à l'ordre. Il n'a pas eu lieu, mais c'est là où le président a complètement oublié, a mis ça de côté. C'est pas au président de faire la morale sexuelle de son équipe ou des joueurs. Chacun a la vie qu'il entend mener. Luis Fernandez, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, sur la sellette. Demain, le PSG rencontre Lyon, le leader de la Ligue 1. Et si la victoire n'est pas au rendez-vous, ce pourrait bien être son dernier match. Et même si le PSG gagne, Fernandez n'est pas sûr de rester. En froid avec son président, Fernandez est aussi fâché avec son joueur vedette, Ronaldinho. Le Brésilien a menacé de quitter la capitale si l'entraîneur ne changeait pas.
Le club pourrait choisir dès demain, après le match contre Lyon, de renvoyer Fernandez sur une autre route. Abattu, moi ? Moi, je suis pas du tout abattu. Moi, je suis en pleine bourre, je suis en pleine forme. Ça, on dépose pas les armes comme ça chez Luis. Luis, c'est un combattant et ça sera toujours un combattant. C'est quand même quelqu'un qui est pas prêt de lâcher ou d'abandonner. C'est pas dans ma nature. Quels sont les nominés au poste d'entraîneur ? Peut-être un qui va sortir de Star Academy, peut-être. Hein ? Faudrait savoir. On cherche. T'en as pas, toi, des noms ? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Quand je me suis retrouvé dans son bureau avec Père, j'ai eu l'occasion de lui dire « ça sera le peuple qui va décider ». Ce que vous dites « appel au peuple », c'est « appel au public du parc ». Évidemment. Il y avait Décapitons l'énarque. Comme banderole, oui. Et ça, il y en avait quelques autres. Lénard, donc vous ? Ah bah oui, et bien sûr. Moi, j'ai été scandalisé, parce que ça s'accompagnait d'un certain nombre de choses, de manifestations au parc que j'ai supportées, parce que bon, c'est comme ça. Je pense que le populisme n'est jamais une très très bonne chose. Luis a gagné son bras de fer et reste entraîneur. Ronaldinho, lui, part en vacances au Brésil. À son retour, direction le banc des remplaçants. Moi, Rony, j'ai envie de le faire jouer, mon Rony. Moi, Rony, c'est un joueur qui peut me faire gagner des matchs. Comment voulez-vous que je me mette à ne pas faire jouer mon meilleur joueur ? Mais si physiquement et psychologiquement, le garçon n'est pas dans les meilleures des conditions et qu'il pense à autre chose, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Era o que acontecia na época, né? Em todos os lugares que eu passava, todo mundo dizia, mas por que não joga? Falei, isso é uma opinião do treinador. Se eu fosse o treinador, eu me botaria para jogar. Mas como não sou eu o treinador, eu quando não jogo, eu tô triste, eu fico irritado. Eu gosto de jogar futebol. Luis Fernandez portera a tout jamais le souvenir e il laissera la trace de l'entraîneur qui a laissé 8 matchs Ronaldinho sur le banc. Et l'année suivante, il était à Barcelone et il était Ballon d'Or. Je savais que c'était... Se eu vencesse aquele jogo e eu jogasse bem e as coisas saíssem bem, eu poderia entrar para a história do clube. E o meu objetivo era esse, era de... Eu não tinha conquistado título para o clube. Então, a maneira de eu entrar para a história do clube era aquela, era chegar nesses jogos. Oh, l'interception de Ronaldinho. Ronaldinho qui file vers le but de Rougneux. Ronaldinho face à Rougneux. Ballon piqué et but. Ronaldinho. Ronaldinho à la lutte avec Evdani. Ronaldinho face à Rougneux. Ronaldinho. Et le troisième but. Exceptionnel Ronaldinho. Quelle action de Ronaldinho. Paris bat Marseille 3-0. À Marseille. Du jamais vu dans l'histoire du club. Merci Rony. Le jogo quasi parfait de ma carrière foi contre Marseille. Paris, c'est magique.
Quand j'entrais sur le terrain, je vois 40 000 appeler mon nom et je me disais à l'échauffement, « Pedro, tu es obligé de marquer. Garde 40 000, 45 000, appelle ton nom, je suis obligé de marquer pour cette gens-là. » Et chaque fois, j'interromps pas, c'était comme ça. C'est, je vais marquer, je suis obligé de marquer, je ne peux pas laisser cette match passer sans marquer. Pauleta face à Barthez. Et Barthez qui a excentré l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il trouve le cadre. C'est un geste de génie. Pedro Miguel Pauleta. Il signe là son 15e but de la saison en Ligue 1. Une attaquante devrait voir toujours le but. Jamais mettre dans le dos au but. Et le but de Pedro Pauleta. Et après, la tête commence à travailler. Ces ballons viennent comme ça, je vais frapper comme ça. Mais au moins, j'ai l'idée déjà où est le but, où est le gardien. Face à Frédéric Déhu, Pauleta dans la surface d'affaire. Oh, le but! C'est une question d'après frapper bien. Paris termine deuxième, nous sommes à trois points de Lyon. Nous gagnons la Coupe de France. C'est vrai que c'était une saison parfaite. C'est dommage que nous n'ayons pas continué avec cette équipe l'année après. Ce n'est pas que les joueurs qui arriveront, ce n'étaient pas de bons joueurs, mais c'est des joueurs différents. C'est des joueurs qu'eux aient besoin de temps pour s'adapter. Paris, ce n'est pas un club comme les autres. Si tu n'es pas la mentalité, si tu n'es pas un guerrier à Paris, c'est très difficile de réussir. Affaibli, l'équipe va stagner deux années de suite dans le ventre mou du championnat. L'eau de consolation, une Coupe de France, remportée 2-0 face à Marseille en 2006. Mais ce trophée ne fait pas illusion. La vérité, c'est que le PSG est devenu un bateau ivre. Déconfirmé ce soir, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a été limogé. Vahid Halilhodžić a été limogé. Ce matin, c'est un ancien joueur du PSG, Laurent Fournier, qui a dirigé l'entraînement. Trois mois seulement après le limogeage de Vahid Halilhodžić, c'est au tour du président Francis Gray d'être remercié. Il sera remplacé par Blair Bleyo, un nouveau départ qui montre l'instabilité des grands clubs. Une révolution de palais dans le football français. L'entraîneur du PSG, Laurent Fournier, a fait ses valises. Il sera remplacé dès mercredi à l'entraînement par Guy Lacombe. Le PSG qui a changé de main la nuit dernière, le nouveau président s'appelle Alain Kézac. Paul Le Guen va remplacer Guy Lacombe à la tête du Paris Saint-Germain. Où rien ne va plus depuis le début de saison. La valse des entraîneurs continue. Alain Kézac, le président du club, démissionne pour provoquer un électrochoc. Quand tu changes tout le temps les entraîneurs, quand tu changes de président, de directeur sportif, c'est que quelque chose n'est pas bien. Ça, c'est la vérité. En plus, à Paris Saint-Germain, si tu n'es pas de stabilité en haut, après l'entraîneur, après le joueur, si tu n'es pas des joueurs aussi avec la mentalité pour jouer dans un club de Paris Saint-Germain, c'est normal qu'il existe des problèmes, c'est normal que tu vas avoir des difficultés en championnat. Je ne pouvais pas imaginer arrivé à la fin de ma carrière, à la fin de mon contrat, parti de Paris Saint-Germain, il laissait Paris en Ligue 2. Ça, pour moi, c'était... J'ai dormi pas, j'ai pensé ça 24 heures pendant un mois. J'ai dit, c'est pas possible qu'on va descendre, c'est pas possible. Nico, 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 c'est une vraie situation.
situation bouillante devant le but de Teddy Richer après pas tout à fait un quart d'heure de jeu ici à Bonal. Allez, il faut que Pauletta passe par-dessus le mur. C'est Pauletta qui frappe et c'est détourné. Ça va offrir au Paris Saint-Germain le premier corner de ce match. J'étais comme un fou. Je ne voulais pas rester dans l'histoire de Paris Saint-Germain comme un joueur qui était descendu le club. Faire le 2-1, c'était comme gagner un titre. C'était un moment de soulagement énorme. Un miracle est en train de se produire à Bonal, ce but-là. Il est miraculeux, incroyable but qui vient sauver le Paris Saint-Germain. L'actualité marquante de ce matin, c'est la mort d'un supporter du Paris Saint-Germain tué par un policier en civil hier soir en marge d'un match de foot au Parc des Princes. Apparemment, le policier s'est porté au secours d'un supporter de l'équipe israélienne de Tel Aviv, agressé par un groupe de supporters parisiens composé de plusieurs dizaines de personnes. Régulièrement, ça revient. Je crains que régulièrement, ça revienne. Et qu'à chaque fois, je trouve que les politiques sont d'une grande lâcheté sur le sujet, en faisant des effets de manche, en disant « c'est la dernière fois, j'ai décidé ceci, j'ai décidé cela », et puis c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui. Et c'est arrivé, ça s'est terminé comment ? Par la mort d'un jeune dans les parages. Donc tout ça sont les conséquences de ce qui se passait à cette époque. Donc 15 ans après, on en est au même point, ce qui est un problème dans la société française. L'ambiance est plus qu'électrique, hein, Eric, aux abords du stade. Là, je suis devant l'entrée de la tribune Auteuil. C'est un autre match, hein, qui est en train de se dérouler, un match malheureux aux abords du stade, apparemment, entre les supporters parisiens de Boulogne et d'Auteuil. Plus inquiétantes sont les nouvelles qui nous parviennent concernant le supporter parisien de la tribune Boulogne, agressé hier soir par d'autres supporters parisiens. Il a été placé hier soir dans un coma artificiel après avoir été roué de coups et il serait aujourd'hui dans un état jugé critique. Et les images d'un homme gisant dans son sang au pied du Parc des Princes, moi, défilent dans ma tête ces deux dernières nuits. On a atteint un paroxysme de la violence, un nouveau seuil dans la guérilla urbaine. J'en prends une part de responsabilité, je l'assume, et c'est pour ça que je suis ce matin devant vous. Mais en dehors du stade, là où c'est devenu un terrain de fight, pour employer le terme consacré malheureusement aujourd'hui, nous, le PSG, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir seul. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 10 morts pour qu'on s'occupe vraiment du sujet ? Le nombre des supporters du PSG violents et casseurs se situe entre 400 et 800 selon la police. À côté, il y a le vrai public du parc. Entre 35 000 et 40 000 personnes qui vont au stade tous les week-ends et qui en ont marre d'être pris en otage par des décérébrés. 40 000 personnes qui n'ont rien à voir avec ces gâcheurs de fête.
J'ai toujours une anecdote où les gens, quand ils parlent du football français, ils sortent Paris Saint-Germain et Marseille. Et ça veut tout dire, quoi. Le Paris Saint-Germain reste quand même la propriété de la France, parce que c'est un symbole. Donc si on pouvait redonner ce symbole au niveau européen, ça serait qu'une bonne chose pour les Français. Ces 10 dernières années, on n'a pas su apporter de titre de champion. On n'a joué pas assez de Coupe d'Europe, loin de là, pas assez fait vivre de grands moments. Paris est une ville de spectacle, est une ville, la ville lumière, hein, des chants des supporters. C'est ce qu'on veut voir au parc. On ne veut pas voir des équipes besogneuses. On veut voir du spectacle, du grand football. Aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes qui vivent dans la région et on a envie de leur donner ça. L'histoire va continuer. L'histoire doit continuer. Parce que le PSG fait partie du patrimoine de la capitale. Parce que c'est son feuilleton, son épopée. Et surtout parce que Paris va cesser d'être tragique pour redevenir magique. Parole de fan.